28 pour changer leur quotidien. Nous commençons par la Libye, où les chefs Touareg du Mali et du Niger ont décidé d'opter pour la paix. Ils ont déposé les armes. Depuis mars dernier, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a appelé les rebelles Touareg à intégrer le processus de paix. Plusieurs chefs importants de mouvement Touareg ont participé à cette cérémonie. Regardez. Ambiance festive dans l'oasis de Saba. C'est ici que des dizaines de rebelles Touareg du Mali et du Niger ont symboliquement déposé les armes en présence de représentants officiels des deux pays. Un accord parrainé par Mouammar Kadhafi, également président de l'Union africaine, qui tente de ramener les Touareg au sein de la grande communauté libyenne. Nous savons que votre pays d'origine, c'est la Libye. Celui qui, par le passé, avait fourni de l'argent et des armes aux Touareg, les encourage maintenant à employer des moyens pacifiques. Message reçu, affirment les rebelles. Aujourd'hui, nous sommes venus du Mali, du Niger et de tous les fronts pour déposer les armes. Ils nous ont promis de ne pas utiliser le désert pour le terrorisme, comme un endroit pour stocker des armes et pour combattre leurs frères, ni pour combattre le gouvernement. Ils sont venus ici pour s'impliquer dans la démocratie et la paix. Mais cet accord ne signe pas pour autant la fin de la rébellion, un groupe de dissidents le qualifiant même de gigantesque farce et appelant à la poursuite de la lutte. Au Mali comme au Niger, les nomades Touareg accusent les gouvernements de négliger leur région. C'est pour protester contre cette situation qu'ils lancent des vagues d'insurrection, dernière en date en 2007, mais d'autres avaient déjà eu lieu dans le Sahara, dans les